Hop, parfait. Donc, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Bonjour. le live meeting pour Pimpant. Comme vous pouvez le voir, Pierre et Amandine sont avec moi pour ce live meeting dédié au niveau de Pimpant. On va attendre encore que quelques personnes se connectent. Je pense que certains d'entre vous ont déjà participé à des live meetings. Donc, je vais reprendre un petit peu l'élément sur l'ITA très rapidement et comment le fonctionnement va se faire. Et puis ensuite, on va pouvoir, je pense, passer à la présentation. Concrètement, oui, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément eu les éléments l'ITA, c'est une plateforme de financement participatif qui intervient pour l'économie réelle en mettant en relation des entrepreneurs qui ont un véritable impact sur l'économie. Et de l'autre côté, des investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Mais ça, c'est des choses qui, effectivement, sont souvent évoquées et ne surtout pas hésiter à nous appeler pour en savoir plus sur ces éléments. Pour ce qui est du live meeting en soi, pour les habitués, vous voyez, il y a toujours la colonne chat qui est présente et puis qui vous permet de poser des questions très rapidement au niveau du flux. Si vous avez des questions qui sont très précises, qui vous voulez vraiment passer sur scène, éventuellement, il y a l'onglet questions qui vous permet de poser ces questions et ensuite il y aura un échange qui se fera. Au niveau de tout ce qui est sondage, on verra si on en met. Et puis dans tous les cas, l'idée c'est qu'on puisse vraiment échanger sur Pimpant, tous les éléments, sachant que là je vais plus me rediriger vers Pierre et Amandine pour savoir un petit peu plus au niveau du parcours, un peu plus la naissance de Pimpant, ce qui en fait sa spécificité. Vous avez la main. Eh bien, Merci. bonjour à tous, merci. Alors, Pierre et moi, on a deux parcours très, très différents. Moi, j'ai fait 10 ans de marketing communication en agence de publicité. Du coup, je m'occupais de faire naître et croître des marques populaires. Alors, ça, c'était varié, hein. Ça pouvait aller de marques de téléphone, du sport, du Jardiland, du boulanger, peu importe. C'était assez varié. Et ce métier m'a passionnée pendant très longtemps. Et puis un jour, au fur et à mesure que j'avançais dans ce métier, eh ben, j'avais l'impression de finalement être en superficie et pas assez descendre dans le produit. Et là, s'est présentée une opportunité de rentrer en intrapreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré un industriel pour lequel on avait travaillé et lancé la marque Baby Bio. Et en lançant cette marque, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de place sur ce marché pour encore une autre marque. Et du coup, on est allé avec une collègue lui proposer de co-créer une nouvelle marque pour des parents plus urbains, une marque plus connectée, une marque plus dans l'air du temps. Et pendant 2 ans, je l'ai cofondée en intrapreneuriat, Popote Baby Food. Et puis, au bout de 2 ans, le contrat, c'était de donner cette marque à sa fille. De donner cette entreprise à sa fille pour qu'elle puisse, elle, la gérer, la piloter, on va dire, plus que 6 mois après le lancement. Et en échange, du coup, il m'a permis de récupérer un peu de fonds pour pouvoir lancer mon propre projet. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Pierre, qui a donc un parcours totalement différent. Pierre, lui, il a fait 4 ans de banque d'affaires, il est plutôt quelqu'un qui a fait du M&A, il a travaillé pour le laboratoire Pierre Pharma sur la série d'investissement. Voilà. Pierre, c'est les chiffres et moi, c'est l'image, on va dire. C'est moins caricatural que ça, mais bon, quand même. Et voilà, on s'est rencontrés du coup avec cette complémentarité, mais un vrai partage de valeurs communes, une vraie envie de travailler sur du produit et une vraie envie de du coup donner naissance à une marque, une entreprise impactante qui change les choses dans l'univers sur lequel elle va travailler. Et quand on s'est rencontrés, il y a 2 ans, on n'avait aucune idée du secteur dans lequel on allait se lancer. Aucun des deux n'avait de passion particulière pour la lessive ou les produits ménagers. On n'a jamais collectionné de bulldozeuses ou de bidons plastiques. Ce n'est pas notre truc, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé en fait les marchés. On a pris des secteurs, on a mangé énormément d'études, énormément de quantité, de quali. On a regardé les marques qui n'avaient pas, les secteurs qui n'avaient pas été changés depuis longtemps, etc., etc. Et du coup, on est tombé sur les produits ménagers. Les produits ménagers, c'est les biens de consommation courante les plus nocifs pour l'homme et la planète. Voilà, on s'est dit, l'histoire qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça pour construire un monde plus propre. Non, pour compléter, oui, complètement, pour compléter, approfondir un peu ça.
Non, c'est vrai qu'on n'avait pas de passion pour ça et on ne savait pas qu'on allait arriver là. Après, ça faisait partie quand même des secteurs intuitivement sur lesquels on se disait qu'il y avait quelque chose à faire parce que déjà, on a une sensibilité personnelle au sujet. Enfin, je veux dire, Amandine, de par ses enfants, moi, pour des raisons plus type de peau, des choses comme ça. Donc, enfin, personnellement, on a expérimenté le fait que bah, voilà, dans les produits ménagers, il n'y a pas que du bon. Et puis c'est quelque chose, alors c'est jamais très bien de dire ça, mais c'est quelque chose d'assez connu, c'est les produits ménagers, ce sont des produits de fond de placard, c'est des produits, c'est 50 ans, il n'y a que du prix, c'est des qui sont assez moches, on n'a pas envie de les voir, il n'y a pas, c'est vraiment de la commodities interchangeable, et donc forcément, bah, on retrouve un peu toute la merde dedans, parce que bah, si on ne met pas de prix, si on ne met pas d'affect, on ne peut pas faire de belles choses. Et en fait, à ce moment-là, pour expliquer un peu la démarche et comment on est arrivé vraiment à Pimpant et le positionnement de Pimpant, il y a deux études assez impactantes qui sont sorties tout début 2018, donc vraiment janvier 2018. La première, c'est une étude de santé qui vient un peu confirmer ce que bon, on sait plus ou moins tous parce qu'il y a toujours des articles. Mais c'était une étude qui est faite sur 5800 femmes de ménage en Norvège pendant 20 ans. Et qui montrait en fait que bah, les femmes de ménage avaient sur cette période la même dégradation pulmonaire qu'un gros fumeur. Un gros fumeur, c'est un paquet par jour sur la même période. Donc on ne retrouve pas forcément les goudrons, mais il y a autre chose, et il y a la même dégradation pulmonaire. Donc, donc ça avait fait les gros titres à l'époque. Et c'est marquant, quoi. Et en fait, l'autre étude importante dans la genèse de Pimpant et qui a drivé un peu nos recherches, c'est tout simplement c'est un Kantar en fait, c'est Kantar pardon qui a fait une étude sur 12 000 foyers. Et en fait, ce que cette étude montrait, c'est bah, au-delà du boom, enfin au-delà du développement des produits verts industriels, donc c'est des produits qui ont une croissance à deux chiffres tous les ans depuis une dizaine d'années. En fait, il y a quand même beaucoup de gens qui se reconnaissent pas, qui veulent aller plus loin, et donc ils montraient en fait un peu le boom du fait maison. Donc le fait maison, c'est une tendance qui est assez neuve, mais qui est encore plus neuve dans les produits ménagers. Et donc déjà, début 2018, Kantar montrait qu'il y avait plus de 11% des foyers qui avaient essayé de fabriquer leurs produits ménagers et 6% qui avaient déjà essayé de fabriquer leur lessive. Et fabriquer sa lessive, c'est pas rien. Donc ça, c'est vraiment les deux bases. À ce moment-là, on s'est dit, bon, OK, personnellement, ça nous parle, on n'aime pas trop ça, il y a un vrai problème un peu de santé, de pollution, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus sensibles, qui veulent aller chercher autre chose. Donc c'est à partir de là qu'on a continué de creuser. Comme Diamandine, on a continué de faire des études, d'interroger des gens, on a fait un quanti de 500 personnes deux mois après, pour vraiment bien comprendre les drivers, etc., et les limites. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est vraiment, effectivement, le fait maison a une aura incroyable. Vous dites fait maison, c'est plus simple, plus naturel, plus écologique, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, mais partout. Et on se dit, mais pourquoi, du coup, il n'y a pas plus de gens? Alors, 11%, c'est énorme, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Il n'y en a pas plus parce qu'en fait, il y a des barrières importantes, que ce soit pour le fait de trouver une bonne recette, le fait d'avoir une bonne efficacité, le fait de devoir trouver les matières premières, les stocker, etc., le passer le temps de fabriquer son produit. Donc, il y a des barrières au passage chez maison qui sont importantes. Et surtout, un peu plus de la moitié, donc c'était 60% dans l'étude qu'on a faite, des gens qui essayent abandonnent au bout de quelques mois pour exactement les mêmes contraintes. Parce que bah, il y a la motivation à un moment, puis après on se dit, bon, en fait, soit ça ne marche pas assez bien, soit c'est trop compliqué, soit j'ai plus le temps. Donc, parce que plus souvent, c'est j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps, ça recoupe plein de choses. Et c'est vraiment là, donc on a mis à peu près 4-5 mois à mûrir tout ça. C'est là qu'on s'est dit, ben voilà, Pimpant, ça va être ça. Pimpant, c'est on va faire un nouveau territoire. Et l'objectif, c'est vraiment de rapprocher ces deux univers. C'est-à-dire, c'est de construire sur les valeurs fortes et les atouts du fait maison. C'est capitaliser sur la confiance, sur la transparence, sur le côté sain, le côté écologique, en abaissant un peu ben, la marche à franchir pour y accéder. Et donc, en essayant d'offrir une praticité, une efficacité qui soit similaire à celle d'un produit que vous pouvez aller acheter en magasin. Donc c'était vraiment voilà la genèse du projet Pimpant et de l'idée de notre positionnement. En fait, c'est ça. Je sais pas si non, c'est exactement ça en fait. Et c'est marrant parce que on parle d'un sujet qui est pas spécialement super excitant, les produits ménagers. Et finalement, il y a un côté passionnant à se dire on va s'attaquer à un marché qui est polluant, qui est mal aimé. On va s'attaquer à des produits qui sont des produits de fond de placard et on va en faire des produits qui sont désirables, des produits qui sont plus en ligne avec les enjeux de leur époque et en faire des produits beaucoup plus sains.
Et pour ça, du coup, on s'attaque, on va dire, à deux grands piliers. Le premier pilier, c'est de rendre ses produits engageants. Et pour ça, on va travailler énormément la marque. On a envie d'une marque qui prône l'écologie fraîche, une écologie engagée, une écologie positive, loin du jugement, mais se dire que chacun peut faire des pas et que chacun de ses pas, et ben finalement, ça peut apporter beaucoup pour faire plus encore et puis tous ensemble pour changer beaucoup les choses. Alors, on ne dit pas que ça peut tout faire, mais en tout cas, on a une force ensemble qui est importante pour évoluer et faire partie de ce projet, être dans cet état d'esprit un peu frais, un peu positif, c'est hyper important pour nous. Et le deuxième élément, c'est vraiment marquer la révolution produit. C'est-à-dire que nos produits, c'est vraiment, on se redit, tiens, on met tout à plat. Si on voulait redessiner des produits ménagers aujourd'hui, comment les tirer? Et pour ça, du coup, on pense l'impact qu'on peut avoir sur le monde, sur les gens, sur la planète. On le repense de manière globale. C'est-à-dire qu'on va, du coup, regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du sourcing, qu'est-ce qui se passe au niveau de la production, qu'est-ce qui se passe au niveau de la logistique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fin de vie. Et on va essayer, sur chacune de ces étapes, d'apporter un élément de différenciation d'innovation pour être moins impactant ou plus sain, on va dire, sur l'ensemble de ces sujets-là. Et du coup, on se fixe des lignes claires pour développer nos produits. Ça veut dire, par exemple, que nos produits, il n'y a pas de produits non biodégradables ou polluants. Ça veut dire que on n'a pas de produits qui abîment les écosystèmes. Aujourd'hui, si on retrouve pas de palme dans nos produits, pas parce que la palme n'est pas efficace, pas parce qu'elle est pas chère, c'est pas parce qu'elle est pas pratique, parce qu'elle est tout ça, et c'est bien le grand malheur de ce produit, c'est parce que les écosystèmes où on récupère la palme, ils sont totalement détruits. Donc c'est une vraie volonté de chercher des alternatives plus près, des zones plus locales, pour remplacer des matières premières comme ça qui sont négatives. Aujourd'hui, tout le monde a de l'eau au robinet, donc il n'y a pas de sens à transporter des gros bidons remplis d'eau, parce qu'un produit ménager, c'est entre 60 et 90% d'eau. Donc, en fait, on ne transporte pas de la matière active, on transporte de l'eau et du plastique quand on transporte une lessive. Donc ça, c'est pareil, l'eau, c'est lourd, ça a un impact énorme en termes de CO2 dépensé, et du coup, on peut repenser toute la logistique. Et puis, c'est pareil, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, il n'y a pas vraiment de sens à jeter une bouteille de plastique, alors qu'on sait qu'on a énormément de mal à la recycler, c'est énormément nocif, pour racheter exactement la même quand votre produit est fini. Donc, c'est pareil, revenir sur une bouteille réutilisable, c'est un élément de base. Ce sera un élément de base pour l'ensemble des produits qu'on construira dans le futur. Et puis, un des derniers éléments forts pour nous, c'est de produire sur le territoire français. C'est hyper important de construire une chaîne logistique, une chaîne de production, une chaîne de valeur sur le territoire parce que écologiquement, ça fait plus de sens, parce que socialement, ça fait plus de sens aussi aujourd'hui. Et tout ça, on essaie de le faire toujours en gardant en fil conducteur une vraie... quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est d'être efficace. On a besoin que nos choix ils soient guidés par une forme d'efficacité. Si nos produits ne fonctionnent pas, s'ils ne sont pas équivalents ou supérieurs à des produits industriels qu'on trouve aujourd'hui dans des produits verts, par exemple, on ne valide pas ce choix-là et on continue de chercher des formules, on continue de chercher des façons de faire différentes pour que, du coup, on arrive à ces niveaux d'efficacité. Sur l'efficacité, on ne parle pas d'efficacité absolue. On ne cherche pas avec Pierre le produit magique qui servira, qui serait parfait pour 2% de votre usage. On cherche le produit qui permet au quotidien de garder sa maison saine, de garder ses vêtements propres, etc. Et puis, on cherche des produits complémentaires pour des usages très précis quand votre linge est très taché, très sale, quand par exemple, vous avez des problématiques très précises, et bien on va avoir des produits complémentaires qu'on utilisera de manière ponctuelle. Mais l'idée est vraiment d'éviter la surqualité, d'éviter le surdosage, d'éviter tout ce qui est surconsommation, en tout cas dans notre esprit. C'était la démarche exactement. C'est un élément qui est important dans notre démarche, c'est de chercher le effectivement, on ne veut pas quelque chose de pas efficace, mais c'est l'efficacité nécessaire. On veut une lessive qui soit une lessive du quotidien, suffisante pour 80% ou 90% des usages et des produits complémentaires, et pas une lessive qui marche 100% du temps, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions,
mais qui du coup bah, défonce tout à chaque fois et 90% du temps pour rien en fait. Voilà pour la parenthèse. Donc voilà, et bon, si je peux... donc en fait avec ça on a commencé à travailler pour faire en fait les 12 derniers mois, puis les 12 derniers mois, puisque donc Pimpan a un an de produit en tout cas en ce moment. Donc en fait on a travaillé après avoir fait ce choix-là, donc on est parti sur la lessive, parce que bah, la lessive c'est un produit qui a quand même qui touche tout le monde, qui a une certaine valeur, qui c'est un produit vraiment du quotidien, on utilise tous les jours, enfin une grande quantité. Il y a moyen en fait d'avoir un impact significatif sur ce produit-là. Et donc on est arrivé avec ce cheminement en fait et avec donc des indépendants spécialisés, donc c'est essentiellement des personnes, des anciens de labo qui sont reconvertis dans le verre, qui ont monté leur labo indépendant de taille plus ou moins importante, à l'idée du kit, donc avec toutes les caractéristiques du coup de dit précédemment. Donc le kit c'est, bah, c'est 7 fois moins de plastique qu'une bouteille, c'est 3 fois plus léger, c'est pas de palme, c'est facilement biodégradable, etc., etc. Et ça suffit pour toutes les lessives du quotidien. Donc voilà, donc ce lancement, on l'a fait en fait en juin de l'année dernière. Et en fait, là, on finit une première phase. C'est aussi pour ça qu'on est, enfin, c'est surtout pour ça qu'on est devant vous aujourd'hui. C'est parce que depuis donc, le lancement en juin dernier, on s'est attaché à montrer plusieurs choses. Donc on a lancé le kit. On a montré, on a fait la preuve un peu de, du fait que qui correspondait à une certaine cible. Si vous voulez, on a validé un certain taux de réachat. Donc, on a à peu près 40% de réachat sur le kit. On a montré également des éléments forts de notre modèle économique. Donc, on est allé chercher de la croissance digitale. Donc, ça, c'est des mécanismes qu'on a mis en place sur la fin 2019. Donc avec essentiellement Facebook, Instagram au début. Là, on est en train de travailler d'autres canaux petit à petit, mais on a montré qu'on était capable d'aller chercher de plus en plus de clients en mettant les moyens avec un coût d'acquisition tout à fait raisonnable et qu'on avait en fait un univers, que ce soit graphique ou sur le fond et le discours qui portait et qui du coup permettait en fait d'atteindre les gens. C'est important de nouvelles personnes sans forcément se ruiner. Enfin, c'est pas tout à fait le terme, mais bon, bref, excusez-moi. donc, en fait, on a montré ça donc avec une croissance régulière de l'acquisition client. On a montré la récurrence. On a également un des éléments forts, en fait, si vous voulez, de notre stratégie, c'est de développer et de faire croître le panier moyen parce que ça répond à énormément de besoins et de problématiques. Un panier moyen plus important, c'est moins d'impact au niveau transport parce que c'est un seul colis pour beaucoup plus de choses. C'est aussi, nous, ça, point de vue économique, bah, c'est forcément crucial. On est sur des coûts variables pour les produits ajoutés. Et donc ça, on a lancé en fait des compléments de gamme en février de cette année. Tous les compléments de gamme qui existent aujourd'hui sur le site, on les a lancés en février dernier. Et en fait, le panier moyen est passé de 20 euros à 28 euros en quelques semaines. Donc c'est une première preuve en fait de notre capacité à pousser de nouveaux produits et donc à construire cette stratégie de gamme. Et donc voilà, et donc en fait sur cette année-là, on a montré tout ça. Aujourd'hui, on a à peu près 2500 clients. On a un chiffre d'affaires récurrent mensuel donc d'abonnement ou de réachat supérieur à 3000 euros. Sur les deux derniers mois, on est à peu près à 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, en fait, ce dont on a besoin, c'est de passer à la deuxième étape, c'est d'accélérer. C'est pour ça qu'on recharge des fonds auprès de l'ITA aujourd'hui, auprès de vous via l'ITA, pardon. Et c'est vraiment pour passer à cette deuxième étape et donc pouvoir accélérer sur notre modèle économique, pouvoir accélérer le développement de la gamme. Et en fait, l'objectif, c'est de montrer la scalabilité de tout ce qu'on a fait sur la première année, et donc de grossir de fois 3, fois 4 sur les 18 prochains mois, pour ensuite passer à une étape encore ultérieure, aller chercher d'autres secteurs, l'étranger. Enfin, il y a énormément de pistes, énormément de choses à faire. Déjà cette première étape. Justement, par rapport à cette évolution, il y a pas mal de questions qui sont venues entre-temps.
Il y en a une qui est revenue par rapport justement à l'acquisition client, le développement. On a une question donc qui est, votre site est-il le seul canal de distribution ou est-ce que vous travaillez avec d'autres distributeurs en ligne ou avec des magasins physiques? Alors, le site, c'est 90% de nos ventes et c'est notre priorité en fait sur au moins les 18 prochains mois. 12-18 prochains mois. Il faut savoir pour nous, c'est très important de tout point de vue, que ce soit point de vue valeur, un point de vue pas idéologie, mais je veux dire stratégie de la marque, du développement. Notre ambition, c'est de créer une communauté et donc on a besoin d'avoir accès à nos clients. On a besoin d'avoir leur retour. On a énormément, on a de plus en plus d'interactions, de retours spontanés, Insta, Facebook ou mail. On les appelle parfois quand il y a quelqu'un qui se désabonne pour comprendre. Donc c'est vraiment ce lien direct pour nous, il est très précieux. Et après, il est très précieux aussi dans le secteur parce que bah, c'est quelque chose que peu de gens savent faire et savent développer. Donc voilà, donc c'est 90% sur le site. Et à côté de ça, on a une stratégie d'aller chercher des points de vente un peu presque ambassadeurs sur des territoires pour gagner un peu en notoriété. Donc ça va plus être du concept store, de l'épicerie bio de quartier, mais avec une relation. Donc pas se mettre en rayon au milieu de milliers de sites différentes. Donc voilà, mais d'essayer de mapper un petit peu le territoire. Donc là, on est rentré dans une vingtaine de points de vente. On commence au bon marché fin juillet. Donc c'est des exemples de types de magasins qui sont, c'est sûr, c'est pas eux qui nous font les volumes, mais par contre on pense que c'est important pour développer la notoriété. J'ai une question d'Aurélie au niveau justement des produits ménagers et la dimension do it yourself qui avait été soulignée. Donc pour la question d'elle-même, c'est, il y a des personnes qui font leurs produits ménagers pour d'un point de vue écologique, mais aussi parce que ça revient moins cher que de l'acheter tout fait. Pimpant, au niveau de niveau prix, comment vous vous situez par rapport au niveau prix de vente? Clairement, on va dire, les gens qui font déjà leurs produits ménagers avec des ingrédients bruts, pour un peu qui s'y connaissent un petit peu, qui évitent un peu l'huile, qui évitent la palme, qui évitent des choses comme ça, que l'on trouve assez facilement, mais admettons, qui arrivent à faire, on va dire, une lessive avec des ingrédients bruts, pour nous, c'est pas notre cible. Les gens qui sont déjà dans une, qui sont déjà passés dans une démarche très écologique, c'est d'ailleurs plus écologique que la consommation du liquide pimpant, hein. C'est plus complexe aussi, c'est sûr, c'est plus contraignant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent et qui n'y arrivent pas, soit qui se disent je vais le faire mais qu'ils ne le font jamais, soit qui en reviennent, qui retournent à une consommation pestifère. Mais ces gens-là, clairement, nous, et on est hyper transparent là-dessus, sur tous nos réseaux, dès que quelqu'un nous dit ça, nous on félicite ces gens-là. Et on dit c'est super, il n'y a pas mieux que ce type de création-là, de partir de produits bruts et de réaliser ses propres produits. Il n'y a pas plus écologique, en tout cas. Si ça correspond à vos besoins, aux besoins de votre famille en termes de lavage, il n'y a aucune raison de changer. Et il n'y a aucun intérêt à revenir à du pimpant. Vraiment, pimpant, c'est, on va dire, c'est le produit le plus écologique avant le fait maison. C'est-à-dire que l'idée, c'est de parler aux gens qui consomment des lessives vertes et qui pensent qu'elles sont écologiques pour plein de raisons différentes. Et de dire à tous ces gens-là, il y a vraiment un pas à faire et qu'il y a un pas énorme. Si demain, après, vous arrivez à continuer à faire vos lessives maison vous-même, tant mieux. On ne trouve pas d'autres solutions pour aider d'autres gens à ce moment-là à passer. L'idée, c'est que c'est tous ensemble qu'on arrive vers un monde plus propre. Donc, si demain, la quantité de personnes qui font tout seul grossit, quelque part, on aura été cet élément-là et on les aidera à passer sur d'autres domaines, etc. On essaie d'être assez transparent là-dessus. C'est pas notre cible, c'est des gens qui sont déjà plus loin dans la démarche écologique. Et c'est pas notre, en tout cas, on s'est pas donné ça comme enjeu d'entrepreneur de reconvaincre ces gens-là à faire un pas en arrière. On pense même faire un petit recueil parce qu'on a eu quelques retours de gens qui nous quittent pour passer au fait maison. Ouais. ça arrive et qui nous disent je faisais pas trop. Et c'est vrai que bon, au bout d'un moment, en fait, on faisait. Le pas suivant paraît plus court. Mais pour répondre à la question du prix, effectivement, le prix du fait maison est toujours imbattable. Enfin, sous réserve que ce soit du vrai fait maison, d'acheter des ingrédients et pas d'acheter des préparations prémélangées. Mais après, par rapport à une lessive du commerce, on est effectivement une lessive premium parce que y a des choix d'ingrédients qui sont
fort. Enfin, je vais donner un exemple dans les tensions actives, donc les agents nettoyants qu'on utilise. Le prix sorti d'usine, on va arriver à 5, 6, 7 euros le kilo sur certains. Vous prenez de la palme, c'est 1 euro. Il n'y a pas. Il y a des éléments en fait qui demandent un prix premium. Maintenant, on n'est pas plus cher que des potes, même parfois moins cher. On n'est pas plus cher que des marques premium, enfin que le haut du panier que vous pouvez trouver en magasin bio. Donc, pour nous, c'est pas un enjeu majeur. Quoi. On est sur un prix nécessaire, mais qui se retrouve ailleurs dans le marché et pour qui compense tout à fait acceptable. Ouais, le sujet du prix, c'est un sujet hyper intéressant parce que le prix, c'est, je trouve qu'on a perdu la notion de valeur qui est attachée au prix. Or, le prix, c'est une valeur. Notre prix, il englobe le fait que on soit made in France, il englobe le fait que on n'utilise pas de paille, il englobe le fait que on utilise des matières qui sont facilement dégradables, etc., etc. Cette valeur-là. Et la lessive, c'est pas non plus comme les produits ménagers, c'est pas des produits qu'on achète non plus, c'est pas des produits qu'on achète quotidiennement. On les utilise quotidiennement, mais on les achète pas quotidiennement. Du coup, le prix, il a un sens particulier. Quand on regarde, moi par exemple, vous le savez, maintenant j'ai deux enfants, je fais 5 machines par semaine. Ça fait 25 machines par mois, donc un kit de lessive par mois. J'utilise un kit de lessive par mois. Du coup, la question du prix, c'est celle-ci. C'est est-ce que ça vaut le coup que entre une lessive de supermarché et Pimpon, où il y a 3 euros d'écart, est-ce que ces 3 euros sur un mois, ils valent le coup pour une consommation qui est une lessive dont je peux être fière, avec une consommation responsable et déconstruire un monde qui est un peu différent. Du coup, le sujet du prix, il se comprend, il se fait très bien comprendre. Et au final, pour nous, c'est pas du tout un problème, c'est pas un enjeu. Après, je suis d'accord avec la personne qui pose une question. Si je cherche une solution qui est la plus économique possible, la lessive maison est une super alternative. Et après, les lessives premier prix de supermarché vont être aussi bien moins chères. C'est pas forcément la même chose qu'on achète à chaque fois. D'un côté, on va acheter de la facilité, de la simplicité, mais peu importe l'impact. De l'autre côté, on va acheter un peu plus d'engagement, on va acheter un impact plus fort. Et entre deux, on va dire, il y a le prix qui permet d'avoir à la fois, d'un produit sain et puis un produit facile à mettre en scène, un ratable, avec du coup une efficacité qui est au niveau d'une lessive industrielle. Ce qui ne sera pas le cas sur une lessive des maisons. L'efficacité, c'est normal, c'est un produit qui est beaucoup plus simpliste, moins spécifique. Donc, il a moins de potentiel d'efficacité. On a une question, je fais lien avec justement, là on parle de la lessive, d'un point de vue produit ménager, de manière plus globale, est-ce que vous envisagez, ceux qui sont Virginie, d'avoir d'autres produits ménagers, lesquels, et à quel horizon, dans quelle mesure ça s'intègre dans le développement de Pimpon? Oui, mais ça c'est vraiment la stratégie globale dont on parlait. Enfin, l'idée pour nous, c'est que à 18 mois, on livre un panier ménage, donc avec... forcément, moins de place parce que pas d'eau, etc. Donc, quelque chose assez compact, mais qui couvre l'essentiel des besoins produits ménagers. Donc, on ambitionne d'avoir un calendrier de sortie assez, avec des sorties récurrentes tous les 6 mois. Les prochains produits sont déjà, les formules sont finies. Là, on est vraiment sur les ajustements parfums. Après, ça va être packaging et tout. Donc, ça va être tout ce qui est spray de surface pour l'automne. Ensuite attaquer la partie univers vaisselle début 2021, etc. Donc c'est il y a un plan lancement produit avec à peu près 2 lancements par an. Spray de surface, c'est les vitres, un spray vitre, un spray anti-calcaire et un spray cuisine dégraissant toute la surface. Vraiment pour que du coup on a vraiment la possibilité de tout nettoyer. Et pareil, avec un contenant qui est réutilisable, une réduction de la quantité de plastique qu'on jette. Des produits biodégradables, éco-certifiés et des petites recharges qu'on vient diluer avec son eau du robinet qui marche avec n'importe quel eau du robinet. Au niveau justement de cette dimension biodégradable et donc la dimension éco-responsable, on a une question de Célia concernant en fait la livraison. Comment vous gérez la livraison en restant éco-responsable, tenant compte de ce qu'on sait, de comment c'est fait au niveau aujourd'hui des différents organismes de livraison? Pour la livraison, en fait, il y a plusieurs éléments dans la livraison. C'est déjà, il y a le fait d'avoir
pas utiliser tout ce qui est calage plastique ou non recyclé, en tout cas. Je parle du carton, carton d'expédition. Ensuite, on travaille qu'avec Colissimo, qui est le seul transporteur neutre en carbone. Et enfin, bah, c'est également cette idée de faire grossir le panier moyen et donc vraiment la stratégie d'essayer de regrouper les éléments sur un seul envoi, bah, pour minimiser l'impact de la distribution à ce moment-là. C'est vraiment les trois éléments qu'on travaille. Je rebondis avec une question que vous aviez par rapport à justement la livraison, question de distribution. On avait évoqué la livraison via la vente en ligne, les magasins physiques. Est-ce qu'il y a une idée de faire la grande distribution à terme? Est-ce que ce ne serait pas un canal qui permettrait de toucher plus de monde et donc générer plus d'impact positif? Question de Xavier. Oui, non, si, c'est, en fait, on est dans une forme de progression. Donc, on met pierre après pierre, on va dire, la structure pour que, du coup, j'en sens le bout. La structure, que, du coup, pour que, on va dire, le tout fasse une entreprise cohérente. Mais on est tout à fait dans cette dynamique-là. C'est vrai, aujourd'hui, on est central. On veut créer une communauté forte avec qui on a vraiment besoin d'avoir des conversations. On a besoin de comprendre comment le produit est utilisé. Donc, on cherche beaucoup de proximité dans cette première phase où on développe des produits, on va sur des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, etc. On a besoin de ça. Ça ne nous empêche pas, du coup, d'avoir déjà 16 points de vente en France et de continuer à développer ces points de vente de quartier, on va dire, au fur et à mesure. Mais effectivement, on sait très bien qu'à partir d'un moment, il faut aller sur des carrefours de trafic. Et la distribution spécialisée est typiquement une clé d'entrée qui est super intéressante. Pour l'instant, je vous avoue, on freine un peu parce qu'on garde on freine un peu l'entrée. On a été contacté par plusieurs groupes, mais on freine un peu parce qu'on a envie de conserver vraiment cette unicité. Ce moment un peu où on arrive à bien comprendre ses consommateurs, à être en relation directe avec eux. Une fois qu'on part dans les magasins, on est moins en relation directe avec eux. Donc, cette phase, elle est importante, on pense, pour nous, pour vraiment construire une marque forte. Mais oui, c'est prévu. Hein. C'est, en fait, clairement, c'est le ce que je disais, ça rejoindra peut-être une des autres questions qui est posée, c'est vraiment les temps. C'est là où on a un peu le fait que le concept marchait, que nos principes, les premières pierres de notre business model. Le deuxième temps, les 18 prochains mois, c'est vraiment la priorité sur le site, le développement de la marque, le développement de la gamme, le fait de montrer la scalabilité de ce qu'on a fait aujourd'hui, pour ensuite, un troisième temps, mais qui commencera en 2022, effectivement, d'aller chercher peut-être plus de volume, d'étrangers, parce qu'on a des touches à l'étranger aussi. Voilà. Donc, on pense qu'il faut quand même, il y a quand même déjà beaucoup de choses à faire. La gamme est aussi importante chez nous, la communauté est primordiale. Ça sera un temps suivant. Et après, ça demande des équipes aussi, hein. Donc c'est avec le mûrissement de la structure, Là, j'ai une question qui revient un peu plus au niveau des chiffres par rapport à, donc je reprends tous les éléments. Donc c'est une question de Léo. En prenant donc seulement les déficits cumulés sur le business plan, donc sans compter les stocks, le besoin de financement à fin 2022 serait de plus de 700 000 euros. La levée de fonds actuelle ne vous amènerait que jusqu'à mi-2021. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un plan de développement un peu trop agressif? Et je couple la question avec, on peut répondre à la question de Virginie aussi, d'Eddy, qui est arrivée sur le chat par rapport à l'impact économique de la crise qu'on a connue. Voilà, la dimension plus chiffrée sur les perspectives futures. Alors, pour commencer sur le plan... déjà, bonsoir Léo. Non, je suis un peu surpris parce que après, peut-être qu'on pourra mettre d'autres éléments où, en fait, le plan, il est construit, déjà, il est construit de manière mensuelle, pas annuelle. Et il est fait pour nous amener jusqu'à Q1, Q2 2022, en sachant qu'on reste flexible sur la levée de fonds visée avec, du coup, un effet de levier sur l'amorçage de BPI en dette. Donc, le déficit qu'il faut regarder, en fait, c'est plus un déficit sur septembre 2020 jusqu'à
si vous voulez, jusqu'à fin 2021, qui est de 360 000 euros. Donc je ne sais pas, donc les 700, c'est peut-être si on prend tout 2020, mais il y avait, enfin voilà, il y a déjà des, il y aura déjà 8 mois de dépenses effectuées, et 2022, effectivement, qui est une autre année. Donc, pour reprendre les éléments, là vraiment, le financement, il nous accompagne jusqu'à début 2022 sans problème, sachant que l'objectif, c'est de faire un nouveau tour, effectivement, fin 2021, pour attaquer cette troisième étape, peut-être de distribution différente, d'étrangers, etc. Mais voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions plus précises après. Ça peut être repris, effectivement. Après, c'était sur les éléments liés aussi à l'activité. Il y a deux notions qui vont. Oui, à l'activité, mais je parlais par rapport aux interrogations. Je ne sais pas comment vous gérez ça côté l'ITA. Moi, je viens après. On peut aller plus en profondeur sur la question. Je vais sur plus la dimension marché avec à la fois donc, la dimension du rentissement de suite à. Attends, je réponds juste pardon. La question que tu me demandais sur l'impact des derniers mois, donc je suis, le Covid, clairement. Ça, en fait, il y a eu, pour nous, ça a été au début une période un peu stressante, parce qu'il y a eu 2-3 semaines où tout a changé, effectivement assez dur. Mais en fait, c'est très temporaire, et donc l'impact du Covid sur notre activité, il a en fait, à part ces 3 semaines un peu creuses du tout début confinement, il a été quasi nul. On a fait un mois et demi bien au-dessus de ce qu'on pensait. Juin est très bon aussi et au-dessus de ce qu'on avait prévu. L'élément le plus marquant qu'on ait vu, c'est l'explosion du nombre de retours et d'interactions. C'est beaucoup plus d'échanges de la part des gens. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils se. Un peu plus d'implication ou de temps aussi, je pense. Peut-être plus de temps. Mais bon, voilà. Non, mais pour nous, effectivement. Le Covid n'a pas du tout impacté, voire même il a démontré que le site pouvait vraiment prendre le relais sur toute la distribution, puisque la distribution du public s'est arrêtée pendant ce temps-là. Donc, c'est plus pour nos revendeurs que du coup, c'était difficile. Par rapport au marché, justement, il y a une question qui avait été posée tout au début au niveau de la concurrence sur le marché. On a observé qu'il y a pas mal de mouvements. Comment vous vous situez sur ce point-là? C'est hyper intéressant, en fait, il y a... La concurrence, elle est multiple et variée. En fait, alors si on regarde ce qui est digital, c'est sûr qu'il y a beaucoup de marques qui sont lancées, qui se lancent là en ce moment récemment. Donc forcément, je pense qu'on peut penser à Spring, Washabi... Il y a des marques qui sont lancées un peu avant, donc les petits bidons, l'alchimiste, etc. Donc, en tant que marque digitale, avec une connotation forcément un peu écologique. Pour nous, déjà, c'est un super bon marqueur, parce que c'est d'être seul sur un marché, ça peut être un peu inquiétant. Enfin, soit vous êtes un génie, soit il y a un problème. Donc, c'est quelque part réconfortant, voire même les dernières arrivées, notamment Spring, qui sont arrivées avec des grosses levées, mais qui ont un autre positionnement, mais... Ça montre le fait que c'est maintenant qu'il faut construire, c'est maintenant qu'il faut s'imposer. C'est pas dans 3-4 ans. Et c'était peut-être pas il y a 3-4 ans, c'était peut-être un peu trop tôt à l'époque. Donc on est là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, je passe sur le positionnement, peut-être que tu peux te faire mieux que moi. Non, mais je peux parler du positionnement, ce que je voulais juste dire sur le marché, c'est en gros, le marché il est ultra dynamique. Pourquoi est-ce que Pierre dit que c'est intéressant pour nous? C'est qu'en fait, le marché, il n'est pas vraiment entre nous, entre les petites marques qui naissent, qui grandissent. Le vrai marché, il est chez les sites vertes, il est chez les gros, en fait. Et du coup, plus il y a d'initiatives un peu écologiques, d'initiatives un peu différentes, plus ça fait de l'éducation, finalement, sur le fait qu'il y a d'autres, plus ça fait de part de voix qui s'accumulent, sur le fait qu'il y a d'autres opportunités, d'autres alternatives qui existent. Et parmi ces alternatives, effectivement, nous, on n'a pas de crainte sur la spécificité de Pimpon et sur la supériorité qu'on peut avoir. En gros, le marché, on va dire, ces petites marques qui se créent, petites marques, je vais peut-être le demain, c'est sans jugement de valeur que je dis ça. En tout cas, dans tous ces nouveaux acteurs, il y a deux grands types d'acteurs. Il y a des produits finis qu'on va retrouver, donc qui sont en fait des produits qui existent déjà sur le marché, mais qui sont digitalisés, qui arrivent en livraison directement à domicile. Donc là, on va retrouver... des bidons, de lessive en produit fini ou des capsules
Donc, ces produits-là, ils résolvent, on va dire, en se digitalisant, ils deviennent un peu plus proches des gens, ils sont un peu plus pratiques, mais ils ne résolvent pas les problèmes écologiques qui posent la palme pour les capsules, les microplastiques qui se mettent dans les machines, les bidons qu'on jette à chaque fois, etc. Et de l'autre côté, il y a des kits d'ingrédients bruts. Et cela, il facilite l'accès à la construction d'une lessive, mais il ne donne pas plus d'efficacité que les lessives, on va dire, maison aujourd'hui. Donc, on va avoir un encrassement des machines, on va avoir des dépôts blancs sur certains textiles, et on va avoir une efficacité assez limitée parce que les agents lavants sont très basiques. Et du coup, dans toutes ces solutions-là, il n'y en a qu'un où on a ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire un espèce d'océan bleu, ce qu'on appelle un océan bleu en marketing, c'est-à-dire un territoire qui est couvert par aucun autre et où on va avoir le meilleur des deux mondes. On va avoir un produit facile à faire, hyper, hyper efficace, mais en même temps, qui apporte des réponses en termes d'écologie, en termes d'engagement, qui sont beaucoup plus intéressants aujourd'hui. Donc, nous, on n'a pas de crainte. D'ailleurs, on a beaucoup de clients qui viennent de concurrents ou des petits bidons. Parce que du coup, ils commencent et puis ils font un pas supplémentaire. Et ça, ils nous le disent. Donc, la spécificité de Pimpan, elle est pour l'instant unique. On a déposé un brevet d'ailleurs pour la protéger. Et c'est à cet endroit qu'elle s'exprime. Je ne sais pas si j'ai répondu à une question. Alors, je continue justement par rapport plus au niveau distribution. J'ai une question de Virginie. Envisagez-vous une distribution via des sites comme The Trust Society ou Dream Act? Est-ce que ce sont des acteurs avec qui vous devez échanger pour les canaux de distribution? C'est un peu la même. Ouais. Dans la même logique qu'effectivement le B2B, c'est s'appuyer sur alors un ou deux, mais je ne pense pas qu'on y ait. Il y en a beaucoup des plateformes qui se positionnent sur des distributions de produits écologiques. On prend vraiment le temps de regarder laquelle est la, pour nous en tout cas, la plus intéressante. Mais oui, c'est tout à fait envisageable dans l'année qui arrive qu'on soit distribué en plus de notre site sur ces plateformes-là. Mm-hmm. Pour l'instant, pareil, on n'a pas intérêt à s'y précipiter parce que quand on fait venir les gens sur le site, sur notre site, mais peu importe le produit par lequel ils rentrent, on voit que du coup, il y a une bonne synergie entre chacun des produits. D'ailleurs, on les a conçus comme ça. Ce sont des produits complémentaires. On n'a pas conçu 10 lessives avec 10 parfums différents. On a conçu des produits qui se complémentent. Et donc, du coup, on voit qu'on arrive facilement à faire grossir le panier moyen, ce qu'on ne pouvait pas faire si on était dans un système qu'on maîtrise pas aujourd'hui. Et pour l'anecdote, après, c'est des gens qu'on aime beaucoup, hein, parce que, on a Damien, notamment de Trust Society, on les avait rencontrés, notre produit n'était pas fini au moment où ils faisaient leur première box ménage, je crois, il y a un peu plus d'un an, et on continue de garder contact avec eux. Pour des boîtes comme ça, c'est intéressant parce qu'envoyer une lessive produit fini, c'est lourd, et donc c'est beaucoup de frais de port. Donc tout ce qui est, pour eux, tout ce qui est, on va dire, plus léger en termes d'envoi, c'est plus de marge aussi pour leur business. Et donc, c'est plus intéressant d'envoyer que les principes actifs plutôt que d'envoyer un produit. Sur ces principes actifs, il y avait une question de Sandra tout à l'heure qui avait été posée au niveau des produits d'origine animale. Donc, je reprends la question. Bonjour, envisagez-vous d'exclure les produits d'origine animale? Y a-t-il des produits d'origine animale dans d'autres produits que votre savon détachant, ciel de bœuf? Moi, je viens sur le savon. Parce que le savon, c'est... Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas l'ambition de faire des produits d'origine animale spécifiquement. Et voire même on souhaiterait limiter. Après, c'est ce qui définit Pimpan, mais ça peut, c'est vraiment le côté pragmatique. Et donc en fait l'histoire du savon fiel de bœuf, c'est nous ce qu'on voulait, c'était un savon propre, on voulait un savon sans palme, on voulait un savon qui soit fait vraiment en France, pas des bondillons en fait comme ce que vous trouvez la plupart du temps, des bondillons de palme ou de coco, peu importe. Fait en Asie, dans des usines énormes et ultra polluantes. Donc, les bondillons, après, le savon, il est moulé, mais en fait, c'est,
c'est pas fait en France. Donc il y a, un certain savoir-faire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voulait. On voulait quand même de l'efficacité détachante. Et aujourd'hui, le fiel de bœuf, c'est pas valorisé. C'est un déchet. Donc c'est utilisé beaucoup, surtout pour les beaux-arts. Et pour le côté détachant, parce que du coup, il y a des enzymes dedans qui permettent de renforcer l'efficacité. Donc, c'est pour ça qu'on est allé là-dessus, c'est parce qu'on n'a jamais tué un bœuf pour le fiel de bœuf. C'est quelque chose qui n'est pas utilisé, qui était pratique et qui nous permettait derrière de trouver un savon fait dans les conditions que l'on souhaitait, avec la qualité que l'on souhaitait en France. Voilà. Non, je n'ai vraiment rien à rajouter, c'est vraiment exactement ça. Il n'y a aucun autre élément animal dans l'ensemble de la gamme Pimpant et il n'y en aura pas d'autre. C'est vrai que c'est une spécificité liée au savon et on est super vigilant sur la manière dont on s'approvisionne. Mais effectivement, oui, ce savon, il n'est pas vegan. Je vais prendre une question qui était venue, qui est plus au niveau justement de la levée de fonds, au niveau des détails de l'investissement, je reviendrai sur la fin, mais concrètement, par rapport à cette levée de fonds, à quoi va servir l'argent investi chez Pimpant? Et puis pour le reste, je reviendrai sur la fin pour donner tout le détail, plus au niveau des informations liées clairement à la campagne. Okay. Bon. C'est lui les chiffres. Je t'ai piqué ta question. Pardon. Alors, si vous voulez, il y a deux éléments principaux, mais qui rejoignent un peu tout ce qu'on a dit sur l'utilisation de ces fonds. Voilà, le grand objectif, c'est développer vraiment ce qu'on a construit aujourd'hui. Donc, il y a une gamme plus large, un rythme d'acquisition plus important, plus de fidélisation. L'objectif, c'est d'arriver à 30-40 000 euros mensuels dans 18 mois pour avoir en fait les outils pour passer à l'étape d'après. Donc pour ça, on a besoin, le gros du poste, et c'est à peu près la moitié de la levée, c'est le développement commercial, quoi, l'acquisition client. Donc ça, c'est assez large, mais ça va être du budget média, ça va être le renforcement d'équipe, ça va être des éléments structurants pour nous permettre d'aller chercher de plus en plus de clients. Et à côté de ça, en fait, cette acquisition client, elle est possible qu'avec une marque forte du contenu. Enfin, on est une marque digitale, donc on ne peut pas exister sans contenu, sans identité forte. Et donc, il y a effectivement un tiers à peu près de la levée qui va être pour tous ces éléments-là. Donc, ça va être de la création de contenu vidéo, photo, du community management, mais c'est aussi la mise en place d'un nouveau site beaucoup plus ergonomique qui permet d'accueillir la gamme de spray. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un site de soins du linge. Alors qu'on remonte d'un cran. Du coup, pour se positionner un peu plus haut sur le ménage, pour arriver à pouvoir irriguer l'ensemble de nos catégories produits. Et puis, c'est aussi un site qui soit capable de permettre aux gens qui ont déjà un abonnement de pouvoir faire grossir leur abonnement en rajoutant des produits complémentaires, en rajoutant un deuxième, abonnement sur des produits différents, etc. Donc, c'est un travail où on vient apporter une personnalisation à ce site-là pour faciliter la vie de nos clients et donc toujours avec un objectif qui est de se dire on va construire un panier ménage qui arrive chez les gens avec une livraison récurrente dont ils fixent la date. Mais ce panier récurrent, il va avoir un maximum de personnalisation possible. On va pouvoir décaler la date dans le temps, l'avancer, changer un produit parce qu'il nous manque, etc., etc. Et voilà, ça avec le plus de facilité possible pour pouvoir mieux aider les gens au quotidien à faire un ménage propre. Mmh. Puis le dernier élément, puis à vous dire, c'est toute la partie, développement de la gamme. Donc on a 12 références de produits supplémentaires qui vont arriver. C'est aussi avoir un chef de produit qui va pouvoir gérer le développement pour dégager du temps sur l'ensemble de la gestion de l'entreprise. Et puis après, il y a une partie locaux qui correspond à un support, des frais généraux, juste comme ça. Parlons justement de l'équipe. On a une question d'Aurélie concernant la fabrication des produits. Où est-ce qu'ils sont fabriqués? Et avez-vous des salariés? Donc au niveau de l'équipe, justement, comment c'est organisé pour Pimpant? Donc, pour les produits, en fait, on est aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire en France et d'aller chercher les spécialistes
des acteurs en tout cas avec qui on a envie de travailler, qui peuvent faire le produit qu'on souhaite. Donc en fait, les sites, il n'y en a pas 50, hein, mais c'est l'essentiel et la partie lessive, c'est à côté de Rouen. Et après, il y a une autre partie importante qui est en Anjou, très proche de notre logisticien, qui est également en Anjou, une ville qui s'appelle Poire. Les fournisseurs sont également français. Donc c'est vraiment un impact local. Nous, on réfléchit, on va dire, comme des consommateurs. On n'a pas d'expertise technique sur le produit fort. On n'est pas chimiste de formation. Mais on sait exactement ce qu'on veut et on sait exactement ce qu'on ne veut pas. Et en fonction, chaque sujet, on l'aborde un peu pareil. On se dit quel est le meilleur partenaire, le meilleur acteur sur le territoire français qui peut nous aider à développer ce projet. Pour la lessive, on est allé chercher des laboratoires green qui sont situés à Marseille. Pour les savons, on va en Auvergne. Pour la partie production de la lessive, effectivement, on est à Thouars. Enfin, on a plein de... On travaille avec des gens qui ont des expertises spécifiques parce qu'à chaque fois, le challenge, il est quand même lourd. C'est quand même révolutionner la façon dont tout le monde fait le même produit, quoi. Pour nous, l'enjeu, c'est pas du tout d'aller dans une usine qui sait déjà remplir des bidons de lessive et leur donner un brief. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour nous, c'est vraiment développer des formules qui sont différentes, spécifiques exactement à ce qu'on veut, avec des contraintes bien propres, non, une expertise qui est un peu différente à chaque fois. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas intégré dans l'équipe un chimiste, un peu de chimiste. On s'appuie sur des expertises françaises et on construit toute une chaîne logistique, on va dire, avec ces gens-là. Et il y a des gens avec qui on travaille maintenant depuis plus de 2 ans, parce qu'il y a toute une partie de la R&D avant de lancer les produits, qui sont devenus très proches et qui sont même des fois source de nouveaux projets et tout. Donc, on va dire, on crée de la valeur dans cet échange-là, mais on n'a pas intégré quelqu'un dans l'équipe. Et pour la... Oui, voilà. Mais elle avait confini pour l'équipe. Et du coup, l'équipe aujourd'hui, elle est constituée de Pierre et moi. Et puis après, on a soit des apprentis, soit des stagiaires qui viennent nous aider en support sur la partie logistique, sur la partie community management, sur la partie communication, sur toutes ces parties-là, production, et qui nous aident à coordonner ces experts. Mais vraiment, dans la structure pimpante, on va dire qu'on essaie de systématiquement prendre des experts et de vraiment capitaliser sur leur valeur, leur expertise pour l'apporter au service d'un projet commun tous ensemble. Et donc, par rapport juste à l'emploi, effectivement, l'objectif de la levée de fonds, c'est de pouvoir pérenniser ce poste d'apprenti. Et c'est également de recruter 2 personnes en dehors de salariés sur l'année 2021. Sur des postes, en fait, un poste plutôt commercial, donc deuxième partie 2021 pour préparer la suite, et un poste plus marketing produit, marketing développement, dès le début 2021. Parfait. Du coup, on a fait le tour au niveau des questions. Après, s'il y en a qu'on a manqué, il n'y aura aucun souci pour revenir dessus. Est-ce qu'il y a des choses à évoquer ou sinon je peux finalement aller sur plus le côté campagne pour donner quelques informations complémentaires? Est-ce qu'il y a un petit mot à rajouter sur Pimpant? Bon, en tout cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous écrire en direct à amandine@pimpant.co ou pierre@pimpant.co. N'hésitez pas. Parfait. Des retours produits positifs. Donc, pour rappel, Pimpant, donc en campagne actuellement, donc c'est un produit action pour toutes les personnes qui souhaitent donc s'investir au niveau du capital de l'entreprise. Pour rappel, le produit action vous permet vraiment de prendre part à la vie de l'entreprise, vous permet aussi d'un point de vue purement financier de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu jusqu'à 18% de la somme qui est investie. Donc, c'est des choses qui s'inscrivent très bien dans une logique d'investissement et en ayant évidemment à cœur d'avoir un impact positif sur la société. Des raisons qui vraiment pour investir font foi, c'est la dimension vraiment expérimentée du duo. Vous avez pu entendre Amandine et Pierre qui sont expérimentés, ils ont l'habitude, et il y a eu de la fondation d'entreprise. Il y a une vision qui est portée sur l'avenir au niveau de Pimpant, sur une entreprise qui a un positionnement vraiment innovant,
unique avec, comme ils l'ont, une belle communication, donc avec une marque forte. Le marché a un gros potentiel. C'est des choses qui sont assez importantes à considérer. Quand bien même la concurrence est là, il y a un potentiel énorme, avec surtout une offre qui convainc véritablement au niveau des consommateurs et des clients pimpants qui continuent de grossir au niveau de la communauté. Donc, sur ces points-là, moi, je vais vous remercier déjà, Amandine et Pierre, d'avoir participé à ce live meeting, d'avoir pu répondre aux questions. Merci à toi pour l'organisation. Ouais, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, pour toutes les personnes qui nous ont suivis, sachez que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ITA. Et puis, s'il y a des questions poussées ou alors que vous n'avez pas pu poser, ce sera avec grand plaisir de nous contacter, tant sur la plateforme l'ITA. Et je vous envoie très rapidement, si justement vous souhaitez vous connecter et aller investir sur le projet Pimpant, la dimension. Alors, le projet qui est là, je vais vous le mettre tout de suite. Pimpant, hop. Le voici. Si vous souhaitez investir, vous avez la fiche projet qui est disponible. N'hésitez surtout pas. Toutes les personnes sont à disposition pour vous répondre. Et ce sera avec grand plaisir que vous vous retrouverez lors de prochains live meeting. Merci beaucoup à tout le monde. Très bonne soirée. Amandine, Pierre, bonne soirée à vous. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.